Yo tout le monde, c'est Sangotrade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'un set Lego Star Wars. Alors aujourd'hui, par ces temps hivernal, nous allons revoir la boîte numéro 75049, le Snow Speeder. Oh yeah! Donc le Snow Speeder qui est présent dans l'épisode 5 sur Hoth, c'est un vaisseau spécialement adapté pour ça. Donc voilà, c'est le Snow Speeder, nouvelle version, il y en avait eu un peu plus ancien dans une autre boîte. La boîte 0, la boîte 75049, les pièces de... plus, c'est vrai que je regarde jamais les pièces, mais c'est pas marqué sur les boîtes françaises, c'est ça qui est un peu dommage. Alors, le côté, on connaît tous, hein, il y a cette petite image. Le derrière, on va regarder rapidement le derrière, vous voyez, on voit toujours toutes les fonctionnalités du vaisseau. Voilà, qui est très très bien hein, ce vaisseau, je vais vous montrer bien le détail. Voilà, et l'autre côté donc, pour voir les figurines. Et donc là, c'est Dak Raptor qu'on a ici. Alors on va tout de suite passer aux personnages. Et les personnages présents dans ce set, il y en a trois. Alors, nous avons tout d'abord le cher. Enfin, le cher. Non, il n'est pas très cher, mais Luke Skywalker version Hot. Voilà, donc... avec le casque de l'Alliance Rebelle. Une tenue vraiment très très bien par rapport à, aux anciennes. Alors je vais voir si je peux pas vous en trouver un des anciens. Hop. Voilà, par exemple, regardez les anciennes tenues. Vous pouvez voir que les jambes sont pas du tout décorées. Le plastron a pas trop changé, si ce n'est qu'ils ont refait un peu l'interface des boutons. Mais sinon, sur l'ancienne version donc, qui est à droite, il n'y avait pas la ceinture, il n'y avait pas d'éléments sur le pantalon. Et si on les tourne... Mais bon, si on les tourne, c'est à peu près la même chose. Ils ont refait un peu les armures, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, notre Luke, donc pas celui-là, celui-là je vais l'enlever. Voilà, donc notre Luke ici a une double tête, voilà, une tête où il enlève ses lunettes en fait, mais bon qu'on n'utilise pas très très souvent, moi j'utilise pas trop les doubles têtes, mais bon voilà. Ensuite, les deux autres personnages, alors nous avons à gauche Dak Raltar, donc c'est le second de Luke, enfin c'est celui qui est au grappin. Pareil, lui aussi a une double tête. Alors, il est très très bien décoré, mais il est comme Luke, hein, c'est la même décoration. Et donc, pour la double tête, voilà, il a une tête un peu effrayée et une tête contente. Enfin, notre dernier personnage, c'est un Snowtrooper. Et ceux-là sont vachement bien faits par rapport aux anciens. Je vais essayer de vous en prendre un, voilà. Voilà, donc les anciens Snowtroopers ressemblaient à ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a carrément une énorme différence sur le casque, puisque celui de gauche est beaucoup plus large que celui de droite. Après, ils ont refait aussi beaucoup le torse. Et ça se joue aussi au niveau du backpack. Donc je vais retourner ce Snowspeeder. Ce Snowtrooper, pardon. Et regardez bien. Donc voilà, là on a quelque chose de fixe au casque, hein. Ça s'enlève avec le casque. Hop, vous voyez. Alors qu'ici, ça se détache. Comme ceci. Après, pour le dos, il me semble que c'est à peu près similaire à une armure de clone. Je ne vais pas pouvoir vous l'enlever parce que c'est un peu relou, mais. Voilà. Sinon le casque est bien décoré à l'arrière. Donc il a ici. Donc c'est une robe anti-explosion, alors on appelle ça une robe, mais voilà. Mais c'est un truc anti-explosion, et comme vous pouvez le voir, en fait, là, regardez, il a une tête blanche, sauf que quand je lui mets le casque, il a les yeux noirs, et c'est tout simplement parce que le casque a les yeux noirs imprimés dessus. Voilà, donc franchement, ça c'est sympa, ça prouve, enfin, ça nous montre un peu que c'est quand même ce sont de vraies personnes qui sont derrière les soldats de l'Empire. Donc on va tout de suite maintenant passer
au petit, comment on pourrait dire ça? Bah, l'arme qui est présente dans le set. Donc on a une mitraillette de hotte. J'ai enlevé les personnages, voilà. On a une petite mitraillette de hotte comme ceci. Plutôt bien faite. C'est comme les anciennes, hein. Vous avez la batterie ici. Donc le personnage se saisit de sa mitraillette là. Et puis voilà, ça canonne. Donc je vais pas m'attarder dessus, mais elle est quand même très bien détaillée. Enfin, on va passer au dernier élément de la boîte. C'est bien évidemment le vaisseau. Le voici, le Snow Speeder. Alors, qui est très très bien fait. Donc, je vais vous présenter les principales fonctionnalités. Donc, le cockpit s'ouvre comme ça. Donc, ici, il y a le pistolet de Dacralta. Donc, au fond, vous pouvez voir, il y a un écran de contrôle et on voit un AT-AT dessus. Donc, là, sur les côtés, ce sont les turbines principales. Voilà, les petits ailerons se relèvent. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Là, vous avez le grappin, j'ai enlevé la petite pièce bleue. Parce que j'en ai besoin là. J'en avais besoin dans l'immédiat. Donc j'ai oublié de la remettre. Ici, vous avez le grappin. Alors, le grappin est très bien fait. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Enfin, c'est un grappin Lego, mais comme ceci, du coup, vous pouvez l'envoyer sur votre AT-AT que je n'ai pas. Dommage. Et voilà. Et donc, il se déroule. En tirant dessus. Voilà. Donc voilà, l'avant du vaisseau ressemble à ça. Donc en fait, ces petits trucs-là, ce que vous voyez ici, c'est pour mettre les pieds des personnages. Comme ça, ils sont assis, mais comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas fixés. En fait, ils sont que sur des playlists. Alors, je vous ai montré que le cockpit s'ouvrait comme ça. On peut aussi l'ouvrir comme dans le film. C'est-à-dire que. Oups. Ouais, alors ça, c'est de ma faute. Juste la première partie du. Ah, ça se pète la gueule. Ce qu'il faut, voilà. Il y a un. C'est ce que je reproche à ce vaisseau, c'est pour ouvrir comme ça le cockpit, il faut une petite manip. C'est qu'il faut à tout prix tenir ici. C'est si vous tenez là, vous voyez, ça se barre dessous. Donc il faut tenir ici. Sur les deux là et ça s'ouvre. Donc voilà pour ce vaisseau. Dessous, on a les lance-grappins habituels. Je ne les ai pas mis parce que j'ai dû retourner cette vidéo parce qu'en fait, ils sont vraiment très très sensibles. Donc en fait, votre grappin dépasse ici, vous appuyez dessus, ça part. Le problème, c'est qu'ils sont très très sensibles et du coup, je m'en suis pris un dans la figure. Donc voilà, ça m'a plutôt calmé. Je vais vous mettre un personnage pour vous montrer à quoi ressemble le vaisseau. Voilà, avec Dacralta à l'intérieur. Donc c'est vraiment un vaisseau qui est super sympa à prendre en main. Et vraiment très très fidèle au film avec les turbines, tout ça. Au niveau de la construction, ça reste relativement simple. Il n'y a pas trop de soucis techniques, il faut faire attention, mais ça va, c'est quand même beaucoup plus compliqué comme vaisseau, au niveau de la taille, hein, je parle. Mais après, la notice n'est pas très grosse. La boîte coûte environ 35 euros dans les magasins, donc c'est un prix tout à fait raisonnable pour avoir trois personnages et un vaisseau comme ça. Donc voilà, je vous le recommande. Bon, et ben on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à laisser un petit pouce bleu. Hein, est-ce qu'ils sont bleus, nos petits pouces maintenant? Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour une prochaine review. Allez, ciao, ciao!